Vas-y. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin, par ce beau dimanche matin. Je suis content d'être parmi vous, chez vous, en ces circonstances de contraintes sanitaires, parce que vous savez que ces conférences au-dehors, les quatre conférences, étaient prévues pour être en présentiel ici à l'édifice municipal de Saint-Simon, mais il a fallu s'adapter au virtuel, donc vous allez avoir la même conférence, mais en virtuel. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier la direction de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines pour cette initiative de partager avec vous de façon vulgarisée, parce que j'insiste sur le mot vulgariser, notre histoire. Mais je voudrais dire un gros merci pour le support technique à Madame Luce Bernard pour le montage du PowerPoint et à Monsieur Martin Solarin, aussi le maire de Saint-Simon, qui tout préparé au niveau de la technique pour être capable de vous présenter ça chez vous ce matin. Et je ne voudrais pas oublier ou non plus de remercier Mme André Roy de Beauceville pour sa grande générosité en tout temps dans ses documents. C'est une vraie passionnée de l'histoire et surtout au niveau de l'archivage. Je me présente, je suis Yvan Poulin-Wintle de ma mère. Je suis natif de Saint-Simon, du secteur de Cumberland Mills. J'ai pris racine ici. Je connais bien les deux secteurs, autant de Saint-Simon que de Cumberland. Je connais aussi leur histoire, mais je connais surtout l'histoire des gens qui y ont habité. Je suis un passionné de l'histoire, plusieurs le savent, du patrimoine aussi, mais il faut, je pense, comprendre pour apprendre et vice-versa, apprendre pour comprendre. Il y a un vieux dicton qui dit toujours, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir d'où l'on va. Je pense que ce dicton ne peut pas être plus vrai que ça ce matin. Et puis, c'est pour ça qu'il me fait plaisir de partager avec vous ma passion de l'histoire qui sera éditée à l'automne prochain dans un livre sur l'histoire locale avec toutes ses particularités. Mais pour le moment, on va se concentrer sur les conférences vulgarisées. Et nous ferons un survol des parties de notre histoire qui sera le fil conducteur de ces quatre prochaines conférences qui sont à l'affiche. Pour savoir les autres, les dates et tout ça, vous avez juste à consulter le site de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines ou visitcumberland.com. La première conférence, c'est sûr qu'elle est. La première conférence prépare la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Donc, si c'est possible pour vous d'y suivre toutes les quatre, ce serait merveilleux. Et c'est ça, la prochaine sera le 13 de juin, la troisième le 19 septembre et la quatrième le 17 octobre 2021. Je pense qu'il est important, parce que notre thème de ce matin, c'est la fondation de la Beauce, mais avant de vous parler de la fondation de la Beauce, qui est notre sujet, on va faire un peu d'histoire du Canada pour encadrer notre sujet qui est la Beauce. Okay? Quand on dit vulgariser, pour fin de compréhension, on va regarder comme si la Beauce, c'était nous. Donc, nous, on a eu des parents, puis on a eu des grands-parents. Donc, la Beauce, elle a eu ses parents qui étaient la Nouvelle-France et on a eu des grands-parents qui étaient soit l'Amérique ou le Canada. Le Canada fait partie de l'Amérique du Nord. Donc, l'Amérique du Nord était déjà peuplée par des Amérindiens. Et c'est important de dire Amérindiens. Donc, ce sont les Indiens de l'Amérique où il y avait quand même plusieurs nations qui étaient déjà présentes bien avant nous. Mais voilà que la visite arrive en Amérique du Nord. Je me suis permis d'énumérer quand même quelques visiteurs, puis je pense qu'il est important de mettre des assises sur fin de compréhension. Donc, vers l'an 1000, des Vikings islandais avec Leif Erikson sont sur la rive sud de Terre-Neuve et provoquent le premier conflit européen. Américain. Donc, on peut voir que les premiers Européens qui sont arrivés, quand les Indiens, les Amérindiens d'ici les ont vus, ça a été un choc culturel. De un, qui ils sont, quelle langue qu'ils parlent, mais c'est surtout comme les Amérindiens devaient se dire, mais c'est qui eux autres? En 1472, pardon, le Danois Jan Sloth
Il découvre le Labrador en 1492. Christophe Colomb, peut-être un peu plus connu, découvre Terre-Neuve et l'Acadie en 1497. John Cabot réclame le territoire au nom du roi d'Angleterre, Henri VII, pardon, et accoste en Nouvelle-Écosse. Okay? Et la plupart d'entre vous qui sont déjà peut-être allés en Nouvelle-Écosse ont déjà pris la Cabot Trail. Donc, Cabot Trail vient du nom de John Cabot. On n'a rien inventé. En 1500, le Portugais Cortés Real. En 1502, l'Espagnol Fernandez, supervillon anglais. Et en 1506, le Français Jean-Denis. 1508, John Albert, qui venait de Dieppe. En 1527, John Root. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces Européens-là, et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils viennent explorer le Nouveau Monde, mais surtout pour améliorer le sort. Okay? Et ils sont ici pour découvrir des richesses naturelles qui sont le bois, l'or, les épices. Mais je pense surtout c'était les espaces à découvrir et à s'acquérir. En 1524, parce qu'on continue, les visiteurs ne sont pas tous arrivés. En 1524, Giovanni Verrazzano releva définitivement l'Amérique à la France et lui donna le nom de la Nouvelle-France. Donc, c'est en 1524. Mais dans cette expédition-là, en 1524, il y a un certain dénommé Jacques Cartier. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de cette personne-là. Donc, Jacques Cartier, le roi, 15, 10 ans, pardon, 10 ans plus tard, le roi de France, en 1534, François Ier demande à Jacques Cartier de revenir en Amérique. Là, à ce moment-là, il savait ce qu'il voulait, les territoires, où il allait avec les différents cours d'eau qu'il avait déjà connus, mais surtout le pourquoi. Donc, c'était d'établir des commerces, le bois, l'or et la fourrure. Semble-t-il qu'à ce moment-là, dès ce moment-là, que Cartier a manipulé les Iroquois, pardon, dès son arrivée en Amérique, et puis que ceux-ci, les Iroquois, se sont révoltés. Ça, c'est un bout, je pense, qui est important qu'on mette une importance dans ce texte-là. Et le pourquoi, c'est qu'on est en 1534 et déjà, Jacques Cartier a manipulé les Iroquois, c'est quelque chose qu'on a comme moins entendu parler, et que ceux-ci se sont révoltés contre les Canadiens et contre les Français. Et ça, on ne l'oublie pas, on va le garder avec nous parce que plus tard, on va voir l'importance que ça peut avoir et ça découle direct là. En 1534, Jacques Cartier navigue sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Stadacone, qui est Québec, et Hochelaga, Montréal. Et juste pour faire une petite histoire courte, on parlait tantôt que Jacques Cartier avait eu des contacts avec les Iroquois. On sait que les Iroquois étaient plutôt de la région du sud de la rivière Richelieu, donc à Montréal aussi. Donc c'est sûrement là que la première rencontre entre Jacques Cartier et les Iroquois a eu lieu. En 1576, Martin Frobisher, capitaine anglais, explore le Labrador. Il est encore dans le nord. En 1583, Sir Humphrey Gilbert réclame Terre-Neuve pour l'Angleterre. Donc, on a vu tantôt qu'il réclamait pour la France. Là, d'un coup, il arrive un autre qui réclame pour l'Angleterre. En 1600, le roi de France, Henri VII, attribue le monopole des traites de fourrure à un groupe de commerçants français. Donc, on commence à mettre le pied à terre. On sait le pourquoi de la visite. Donc, c'est de faire du commerce. En 1603, la première expédition de Samuel de Champlain en Amérique, dans la vallée du Saint-Laurent. On sait que Champlain, c'est un cartographe, donc lui, il se promène sur les cours d'eau, il fait des plans, il prend des notes, il se prépare. En 1605, Champlain s'établit à Port-Royal, Annapolis-Royal, plus précisément en Nouvelle-Écosse. J'ai eu la chance d'aller visiter ce site merveilleux-là. Donc, Champlain n'a pas été à Québec en premier, mais il a été en Nouvelle-Écosse en premier. Et en 1606, Louis Hébert, qu'on a toujours pensé qu'il était le premier à Québec, non, il était avant, il était agriculteur de la Nouvelle-France, mais pas à Québec, mais à Port-Royal aussi. En 1607,
c'est l'arrivée des premiers colons anglais, pas à Québec, mais à Jamestown, en Virginie. Donc là, on sait qu'il y a des colons français qui arrivent dans la région de Québec, d'Hochelaga, ces choses-là, mais il y a des Anglais qui arrivent aussi en Virginie, à Jamestown plus précisément. La course commence, la course entre les Anglais et les Français, entre les territoires aussi. On est en 1607. En 1608, Champlain fonde Québec. À ce moment-là, il y a 28 habitants à Québec, avec Samuel de Champlain. Il concrétise une alliance avec les Hurons, les Algonquins, face aux Iroquois. Tantôt, on a dit que les Iroquois s'étaient comme un peu révoltés en voyant Jacques Cartier. Et là, on sait que Champlain fait une alliance avec les Hurons et les Algonquins contre les Iroquois. Parce que les Iroquois, ils sont du côté sud du Richelieu, plus dans la région de Montréal. C'est à ce moment-là que les nations amérindiennes deviennent des alliés importants, aussi bien pour les Français en Nouvelle-France que pour les Anglais en Angleterre. On est dans la course de l'hégémonie, donc la domination de l'Amérique du Nord. Donc c'est qui va gagner entre les Français et les Anglais, mais entre les nations amérindiennes aussi. On dit que la Nouvelle-France, à Québec entre autres, accueillait seulement des catholiques. C'était un prémisse de base, c'était, il fallait qu'ils soient catholiques. Et en Nouvelle-Angleterre, donc les nouvelles colonies sur le bord de l'Atlantique aux États-Unis, eux accueillaient diverses religions. Ça a l'air banal là, mais ça a toute son importance. De là commencent les guerres, ben pas comment ici en Amérique, les guerres de religion, sachant très bien que ces dernières étaient depuis des décennies source de différends en Europe. On est à Québec maintenant. Donc, à Québec, on a le monument de Louis Hébert à Québec et dans le parc Montmorency. Parce qu'on dit que Louis Hébert a été le premier colonisateur, le premier agriculteur, apothicaire et tout ça, à Québec. Et le parc Montmorency est situé juste à proximité du Château Frontenac en face. Donc, je vous invite, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Québec, dans le Vieux-Québec, d'aller voir ce magnifique monument. Car à l'endos de ce monument-là, vous allez pouvoir voir le nom de tous les premiers colons qui sont arrivés à Québec à partir de 1617, 19, 34. Et j'ai mis en jaune ici Claude Poulain et Jeanne Mercier, qui sont les ancêtres des familles Poulain de la Beauce et aussi de la mienne. Mais pour les autres, vous pouvez voir vraiment là, sur toute la plaque qui est à l'endos du monument, c'est intéressant à connaître. Mais on se dit, ils sont arrivés à Québec, à quel endroit qu'ils se sont installés précisément à Québec, ces premiers colons-là? Dans le Vieux-Québec, c'était aujourd'hui, ce qu'on appelle, c'était le bourg, donc bourg pour bourgeois. Okay? Donc les colons, eux autres, étaient dans les faubourgs, qui étaient plus dans le secteur de la basse ville, donc Saint-Roch, Saint-Viateur, Saint-Vallier, dans ce coin-là. La côte de Beaupré et l'île d'Orléans, parce qu'il y avait quand même des belles terres cultivables aussi. En 1619, OK, là on voit ici 1619, Abraham Martin. Donc, on a entendu parler beaucoup de ce monsieur-là, d'Abraham Martin. Il s'installe où? La plupart ont dit, bon, les plaines d'Abraham. Non. Abraham Martin, sa terre était à peu près où que le Hilton, l'hôtel Hilton à Québec aujourd'hui, un petit peu plus à l'arrière. Mais ce qui est peut-être important, c'est que quand on parle d'Abraham Martin, ben, il était cultivateur, il avait son troupeau de vaches et qui faisait paître où les plaines d'Abraham aujourd'hui, mais il n'y avait pas de source d'eau. Okay? Donc, il prenait son troupeau et il les descendait dans la basse ville, à la rivière Saint-Charles. Et c'est de là qu'on le devient, c'était la côte d'Abraham qui porte encore ce nom-là aujourd'hui. Donc, on a les plaines d'Abraham et la côte d'Abraham, toujours sous le nom d'Abraham Martin. 1625, c'est l'arrivée des missionnaires jésuites. Parce que pourquoi tantôt on disait qu'à Québec, les nouveaux arrivants étaient, fondamentalement, il fallait qu'ils soient catholiques. Donc on fait venir des jésuites. C'est l'arrivée des premiers blancs en Amérique du Nord, à ce moment-là, arrêta l'évolution de la civilisation amérindienne. Donc plus qu'il y a de Français blancs,
Et à ce moment-là, l'évolution de nos différentes peuplades amérindiennes, leur civilisation va s'estomper là. Pourquoi? Parce qu'on s'empresse à les convertir catholiques. C'est l'assimilation, pardon, avec les mœurs. C'est de leur apprendre notre langue aussi. Mais c'est surtout, c'est la prise de leur territoire. Donc, ils sont chez eux, mais nous, on en fait notre chez nous. En 1629, c'est le premier contact avec la Beauce. Donc, je suis content parce qu'on dit, parce qu'il sait qu'il s'en va avec ses skis, parce que c'est supposé de parler de la Beauce, on commence à parler de la Beauce. Donc, le premier contact avec la Beauce, c'est par Samuel de Champlain en 1629, qui rencontre les Abénakis, qui lui-même, les Abénakis, lui montre les voies navigables et de communication, sachant très bien que Champlain, c'est sa force. Lui, ce qu'il veut savoir, montre-moi les cours d'eau, où c'est qu'ils s'en vont et à quoi qu'on peut les utiliser. En 1629, donc ça fait à peu près comme 20 ans que Québec existe, la population qui était de 28 est rendue à 100 personnes, dont 5 familles, de 20 à 30 coureurs des bois, et le reste, une cinquantaine, c'était des militaires. Mais en même temps, il y a 100 personnes à Québec, à Boston, les nouvelles colonies anglaises américaines, eux sont déjà rendus à 2000 personnes. Mais comment ça se fait ça, eux, que ça se monte aussi vite que ça? C'est qu'eux acceptent les différentes religions, peu importe. Donc, toutes sont accueillies. En 1640, dans la vallée de la Chaudière, qui est occupée par des Amérindiens, qui sont algonquins, des Abénakis, des Hurons, des Montagnais, bien, ils sont tous des ennemis des Iroquois. J'ai l'impression de me répéter, mais j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a deux clans qui se préparent. Donc, avant l'arrivée des Français, les Amérindiens sont souverains de leur territoire, compris sur toute la rive sud du Saint-Laurent, pour nous, entre la rivière Richelieu, que je vous parle de tantôt, qui part du fleuve qui s'en va au lac Champlain. Donc, le territoire amérindien qui nous concerne, c'est entre la rivière Richelieu et la rivière Saint-Jean, qui est au Nouveau-Brunswick, et la Gaspésie. Donc, notre terrain de jeu, qui devient notre terrain de jeu, c'était les terres des Abénakis, des Algonquins, des Hurons et des Montagnais. Le 29 août 1646, le gouverneur de Montmagny demande au père Gabriel Drouillette, demeurant à Sellery, vous savez où que Sellery est aujourd'hui. Et puis, donc, juste pour faire une petite anecdote, c'est qu'on sait que Sellery, il y a la Grande Allée. Donc, tout ce qui était au sud-est de la Grande Allée, c'était les bourgeois qui étaient là. Et tout ce qui était du nord-ouest de la Grande Allée, bien, c'était plus des gens, les colons étaient plus situés là. Donc, on dit que le père Drouillette demeurait à Sellery, donc il devait être proche des hauts dignitaires. C'est pour ça que le gouverneur de Montmagny lui a demandé, le père Drouillette, accompagné de quelques Abénakis, de remonter la rivière Méchatigan, qui est la rivière Chaudière, de se rendre jusqu'au lac Mécantique pour rejoindre par la suite la rivière Kennebec dans le Maine pour se rendre jusqu'à l'Atlantique aujourd'hui qui est Augusta. Donc, le père Drouillette est parti de Québec pour se rendre jusqu'à Augusta, dans le Maine, en petit canot sur la rivière Chaudière, accompagné de quelques Abénakis. Et ces Abénakis-là, ben, eux, savaient très bien qu'est-ce qui en était de la rivière Chaudière. La rivière Chaudière devient donc d'une importance capitale pour le gouverneur, car la rivière devient le chemin d'eau, okay, à emprunter pour se rendre à l'Atlantique, entre les deux colonies, anglaise, française. Mais pourquoi que c'est les Français de la Nouvelle-France qui décident d'aller là en premier? Bien, c'était pour établir des liens, à qui étaient ces gens-là, et puis c'était surtout pour, pense, de mettre un pied à terre. Donc, le père Drouillette est crédité de la découverte de la Beauce. Donc, qui a découvert la Beauce? C'est le père Drouillette. Il y a quand même une histoire ou une légende concernant cette première visite du père Drouillette-là sur la rivière Chaudière. Il paraît que la légende, que quand il est arrivé à la rivière Famine, il se serait trompé de chemin, puis il a emprunté la rivière Famine
croyant qu'il se rendait aux États-Unis. Mais il s'est quand même rendu assez loin sur la rivière Famine. J'ai de la misère à comprendre parce qu'il y a beaucoup de chutes qui sont sur la rivière. Mais il a fait quand même une très grande distance, assez qu'il a épuisé ses ressources physiques peut-être, mais ses ressources aussi au niveau de l'alimentation et tout ça, ce qui fait qu'ils ont rebroussé chemin et il n'y avait plus de nourriture. Et semble-t-il qu'à cette époque-là, le cerf de Virginie, le chevreuil, n'était pas encore rendu ici en Amérique. J'étais pas là pour le prouver, mais semble-t-il que donc la nourriture se faisait rare et il était en grande famine. Et c'est pour ça que quand ils sont revenus à la rivière Chaudière, ils ont appelé la rivière Famine. Mais ça demeure encore une légende. Il n'y a pas de document officiel pour le prouver. En 1651, les colonies anglaises et américaines, qui sont surtout protestantes, parce que tantôt on disait qu'ils étaient rendus quand même au-dessus de 1000 personnes, avaient comme objectif de se libérer de toute l'influence catholique romaine. Parce qu'on sait qu'eux autres avaient sûrement dans leur passé, on sait qu'en Angleterre et en France, il y avait des grandes guerres entre les catholiques et les protestants. Et eux, ils prétendent que toute la rive sud du Saint-Laurent, dont nous, la Beauce, ici, leur appartient. Il n'y avait pas encore de frontières à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, au niveau de toutes ces colonies-là, au niveau des protestants, c'est important, les protestants là-bas en Amérique, pas en Amérique, mais aux États-Unis, ils sont plus nombreux que nous et ils s'en viennent vers nous aussi. En 1663, la Nouvelle-France devient une colonie royale sous le régime du roi de France, Louis XIV. En France, le roi fait de grandes réceptions, construit des châteaux. Il se construit des châteaux, il y impose aussi, il y avait des musées aussi. Et donc, c'est le grand luxe pour lui, puis ça lui prend de l'argent. Donc, c'est à ce moment-là qu'il décide d'imposer des taxes aux plus pauvres, qui sont les colons de sa colonie française ici, qui est la Nouvelle-France. Donc, les colons de la Nouvelle-France ici, étant pas riches, étaient comme en parfait désaccord et surtout très mécontents face à ces nouvelles taxes-là pour payer les dépenses excessives du roi Louis XIV. Le 17 avril 1662, c'est l'arrivée du gouverneur général du Canada, Louis de Buade de Frontenac. Donc, on l'a comme très bien connu, ce monsieur-là. En 1679, après avoir, pardon, chassé du Maine, okay, ce qui est important, ici, je vais aller à cette, excusez-moi, on va aller à cette, okay. Après avoir chassé du Maine, après avoir été chassé du Maine par les Iroquois, là, si on se situe sur cette carte-là ici, vous suivez mon pictogramme, donc le Maine est ici, donc on sait que les Iroquois sont ici aux États-Unis, l'armée américaine-anglaise sont ici aussi, et ils ont chassé les Abénakis vers notre territoire, notre territoire vers leur territoire. Et les Abénakis, à ce moment-là, se sont réfugiés, parce que là, juste pour vous situer, on a le lac Mégantic ici, on a Saint-Simon-Cumberland ici, et on a Québec et Lévis ici. Donc, les Abénakis ont dû quitter le Maine pour se réfugier ici. En premier, une tribu qui s'est établie à la rivière Famine, entre l'affluent de la rivière Famine et la rivière Chaudière. La deuxième à la Touffe de Pin, qui est devenue la rivière Gilbert par la suite. La troisième à la rivière Le Bras, qui est au nord de Saint-François, à Beauceville, ici. Donc, ces gens-là, ils se sentent de plus en plus. C'est très menaçant à ce moment-là. Là. On est quand même en 1679. On est ici avec les Abénakis sont-ils, mais on sent de plus en plus une pression qui s'en vient parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre possession de toute la rive sud du Saint-Laurent. On le dit depuis tantôt. Okay. En 1689, le roi de France, Louis XV, déclare la guerre au roi d'Angleterre, un petit peu au roi d'Angleterre, excusez-moi,
Je veux juste revenir au roi d'Angleterre, Guillaume III. Donc, on a vu Louis XIV tantôt, déclare la guerre au roi d'Angleterre, Guillaume III, pour le contrôle de l'Amérique du Nord, surtout des deux colonies. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'Angleterre avec la France qui sont en Europe. Ils déclarent la guerre entre les Anglais et les Français, ici, entre les deux colonies en Amérique. Donc, les Français et les Anglais ont transplanté en Amérique leur vieille querelle européenne, mais utilisent ici les nations amérindiennes interposées. Donc, les Abénakis, les Algonquins et les autres avec les Français contre les Anglais et les Iroquois. Vous me voyez venir avec mes skis, donc on a Anglais, Iroquois, Français, Algonquins et les autres. Donc, avec cette guerre-là, les Amérindiens se sont pratiquement éliminés entre eux. Et le pourquoi de ça, c'est que là, on a les Anglais, on a les Français, mais ils se sont mis, on dit toujours, sur le banc arrière. On a mis sur le banc avant les Iroquois et les Algonquins qui se sont confrontés, qui se sont battus ensemble. Donc, ils se sont pratiquement éliminés entre eux. Il faut comprendre cette stratégie-là, qui était une très grande stratégie, mais à mes yeux, à moi, qui est honteuse. En 1700, le peuple iroquois a été éradiqué de la Nouvelle-France. On dit surtout qu'ils sont du côté de Montréal, à cause des guerres, mais des épidémies. D'accord? Donc, on parle aujourd'hui de la COVID, mais on n'a rien inventé en 2021. Donc, les épidémies étaient déjà là. Pourquoi? Parce que tous ces Blancs-là qui arrivaient, qu'ils soient Anglais ou Français, arrivaient avec leurs maladies et nos Amérindiens n'avaient aucune immunité face à ces maladies-là. Donc, ils étaient très fragiles, au même titre que le COVID aujourd'hui. Regarde, c'est arrivé de l'Europe, on n'était pas immunisé, on ne connaissait pas cette maladie-là. Vous voyez aujourd'hui l'exemple que ça donne et c'est exactement la même chose qui s'est présentée là à cette époque. Mais pour le compte de tout ça, il faut le dire, c'est que aussi au niveau des Iroquois, là, on parle quand même de Hochelaga, plus de Montréal. Il y a eu une guerre avec les Iroquois à ce moment-là. Et pour les éliminer encore plus, ils avaient contaminé des couvertures avec leurs maladies à eux. Ils en ont fait cadeau aux Iroquois. Et donc, les Iroquois étaient comme contents de recevoir un cadeau qui était une couverture, mais c'était un cadeau de grec. La couverture était contaminée, et ce qui fait qu'ils ont attrapé les maladies et qu'ils sont décédés par la suite. En 1716, le premier de la famille Chosgros de Liry, parce qu'il faut en parler, arrive à Québec. C'est Gaspard Joseph, il a 37 ans. C'est un peu mêlant, parce que là, on voit Gaspard Joseph, on sait que son fils va s'appeler Joseph Gaspard. Faut suivre la ligne, les générations, parce que c'est très mêlant dans la famille de Liry. Mais ce Joseph Gaspard-là est quand même très brillant. C'est un ingénieur de l'armée. C'est lui qui trace les plans de la citadelle de Québec en 1723. On arrive à la Beauce, plus précisément. Donc, la région de la Beauce, il y a une Beauce en France avant, qui était renommée pour ses terres fertiles, propices à l'agriculture et très généreuse dans ses récoltes aussi. Donc, la région de la rive sud du Saint-Laurent, qui est notre Beauce, semble-t-il qu'elle était très semblable. Et on lui donna aussi le nom de Beauce. Et comme il y a eu la France, la Nouvelle-France, l'Angleterre, la Nouvelle-Angleterre, là, on a la Beauce et la Nouvelle-Beauce aussi. Tout se suit. Mais ce qui est important de se poser à ce stade-là, c'est pourquoi a-t-on voulu peupler la Beauce à ce moment-là? La Beauce, c'est notre secteur ici. Il y a quand même différentes raisons. On me permet d'en survoler quelques-unes avec vous. Donc, à ce moment-là, la Beauce, c'était que, premièrement, c'est que l'espace des terres agricoles à Québec, parce que là, on sait qu'il y avait, à Québec, les premiers colons se sont installés à Québec, à Lévis, sur la côte de Beaupré, ici, à l'île d'Orléans. Donc, les premiers colons qui étaient là, le père, comme ça se devait à ce moment-là, devait comme céder ou scinder ses terres en héritage à ses fils. Donc, s'il y avait 3-4 fils dans la famille, donc il devait scinder sa terre en partie à ses fils.
ça devenait comme assez restreint. La deuxième raison aussi, c'est qu'on a eu la guerre de la conquête, qu'on va voir un peu plus tard, en 1759 à Québec, avec l'arrivée des Anglais, donc les colons de la côte de Beaupré, de l'île d'Orléans et surtout des deux littorales du fleuve, ont dû quitter leur seigneurie parce qu'ils ont été chassés par les Anglais, pour venir s'implanter en Beauce. Donc la plupart de nos ancêtres viennent de cette région-là. Mais une des principales régions, aussi, pas région, mais raison, c'est que on dit depuis tantôt que l'armée anglaise américaine voulait prendre possession de toute la rive sud du Saint-Laurent. Donc, avant que les Anglais prennent possession, c'est à nous autres de se mettre en premier, de mettre le pied à terre. Donc, la meilleure façon, c'était d'implanter des colons français sur le territoire de la Beauce. Parce qu'on dit toujours que c'était une course au territoire. Le premier qui est arrivé prend possession. Et la Beauce se distingue aussi en deux plateaux. Si vous me permettez, je vais juste me situer sur la carte. Je reviens à cette carte-là ici. Donc, on dit que la Beauce se situe en deux plateaux. On a Saint-Georges, OK, qui avec tout en haut ici, ça s'appelle la Haute-Beauce, pardon, en raison de ses collines, de ses montagnes qui sont plus accentuées. Après ça, on a Saint-Georges qui se rend plus vers le sud, qui est plus un plateau avec une pente seulement de 3 mètres, ce qui fait qu'un courant d'eau très, 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 presque plat. C'est ce qui nous donne aussi l'idée, lors des inondations au printemps, mais pourquoi que ça bloque toujours à partir de Beauceville en descendant, c'est qu'avec 3 mètres de pente, l'eau descend, on a l'impression que ça descend comme une flèche, mais non, la pente n'est pas là. Et on sait que la rivière Chaudière est l'une des seules rivières qui coule du sud, okay, vers le nord. Donc le sud, normalement, fond plus vite, alors que le nord n'est pas encore dégelé, ce qui fait que l'eau qui est fondue descend ici et les glaces ne sont pas encore parties. C'est une autre hypothèse qui nous fait comprendre les inondations sur la rivière Chaudière. En 1737, c'est l'implantation officielle des seigneuries. Okay. Je vais juste retourner, pardon, sur mes cartes, OK. Donc, le gouverneur Marquis de Beauharnois, Marquis de Beauharnois et l'intendant, pardon, Gilles Hocquart, okay, de la Nouvelle-France, voulaient empêcher, comme je vous disais tantôt, les Anglais américains, pardon, de prétendre et de réclamer la rive sud du Saint-Laurent, principalement la vallée de la rivière Chaudière, qui est la voie de communication principale. Et on sait qu'il n'y a pas d'autoroute, Donc, la seule voie de communication, c'est la rivière, donc ça a une importance capitale. Donc, le gouverneur, à ce moment-là, concède le 23 septembre 1736 à Thomas-Jacques Taschereau et son épouse Marie-Claire de la Gorgentière la seigneurie de Sainte-Marie. Okay? Donc, Thomas-Jacques Taschereau et son épouse Marie-Claire de la Gorgentière. Et on a aussi par la suite François-Pierre Rigaud de Vaudreuil et son épouse, la sœur de l'autre, Louise-Thérèse de la Gorgentière, la seigneurie de Saint-François. Après ça, on a Joseph Fleury de la Gorgentière et son épouse Claire Joliette, la fille de Louis Joliette de Québec, la seigneurie de Saint-Joseph. Qui est au sentier. Donc, le père est ici et il a ses deux gendres de chaque côté de lui. Le 24 septembre 36, donc le lendemain, il cède aussi à Marie-Thérèse de Lalande Gaillon, veuve de François Aubert de la Chenette Aubert Gaillon, Saint-Georges-Ouest. OK, donc vous voyez Aubert Gaillon ici, et qui est Saint-Georges-Ouest, et à Nicolas Gabriel Aubin de Lille, la seigneurie à Saint-Georges-Est, ici.
Les seigneurs de la Gorgentière qui étaient à Saint-Joseph s'est occupé activement de la colonisation de son domaine avec ses deux gendres Taschereau et Vaudreuil. La première concession de terre à Saint-Joseph et à la Beauce fut le 17 décembre 1737, donc l'année suivante. Et la première concession fut faite à Joseph Poulain, qui était l'ancêtre des familles Poulain de la Beauce. Il s'installe en 1741 sur la rive ouest de la rivière Chaudière, entre Saint-Joseph et Vallée-Jonction. Et en 1988, si ma mémoire est bonne, lors du 350e, les descendants des familles Poulain avaient été mettre une plaque à la terre, toujours existante, la ferme, pardon, de cet ancêtre Poulain-là, qui était le premier colon de la Beauce. En 1737, les seigneurs de la Beauce se considéraient avec les privilèges et aussi les obligations. C'était pas rien qu'un titre, tu avais des obligations qui allaient avec et beaucoup de responsabilités aussi. Nos premiers colons sont très à l'étroit sur la côte de Beaupré et à l'île d'Orléans, comme je vous disais tantôt, à cause de la division des terres. Donc, ils quittent hache à la main pour se tailler une place sur une terre au bord de la rivière Chaudière, okay, et qui est la route de communication entre Québec et le Maine. Il faut spécifier que la navigation était très difficile sur la rivière Chaudière, entre autres entre le fleuve et Scott. Okay, donc, on voit Québec ici, la rivière Chaudière est ici. On sait très bien que aujourd'hui, à cause de l'autoroute qui longe, on a les chutes okay, à Charny qui sont ici, mais à partir de Charny, aller jusqu'à Saint-Lambert et Scott, il y a plein de rapides et de cascades, ce qui fait que la rivière Chaudière est difficilement navigable ici, ce secteur-là. C'est ce qui explique la raison que la première seigneurie qui était faite était à celle de Sainte-Marie qui est ici, qui n'était pas là, mais ici. On va se donner ça facile, on va se donner un endroit où c'est qu'on peut avoir des terres et avoir une place pour s'établir. On va aller à Sainte-Marie. En décembre 1737, pardon, la Beauce est apportée par Noël Beaupré, okay, qui fait un arpentage délimitera les seigneuries qui seront transmises par la suite par charte royale. Il va me prendre un petit peu d'eau si vous me permettez. En 1739, c'est la construction de la première chapelle dans Beauce, à Saint-Joseph, du côté est de la rivière, située tout près du pont actuel de Saint-Joseph. Si vous empruntez le pont, vous regardez tout de près si vous êtes à l'est ou à l'ouest, mais moi, si je pars de l'est et je m'en vais vers l'ouest, donc immédiatement à ma gauche, il y a encore une croix blanche qui indique l'endroit de cette première chapelle de la Beauce. Donc, c'est sûr que c'était une chapelle catholique à ce moment-là. Par la suite, en 1746, le roi de France, Louis XV, prend possession d'un terrain au port de Québec pour y établir un chantier naval, car le bois qui était disponible ici était une matière première de grande qualité, surtout pour les mâts et les bateaux. De là commence le commerce du bois de façon plus grande. Et le bois sert à quoi? Ben oui, à construire les bateaux. Mais ça a duré quand même plusieurs années. On construit les bateaux à Québec et on part avec notre bateau et on retourne en Europe. Et en Europe, ou en Angleterre par la suite, mais en France là. Et ils démolissaient le bateau là-bas pour construire leur maison ou ils remplissaient le bateau là-bas avec des immigrants pour les ramener ici. Et le bois ici était d'une grande importance, surtout dans la région de l'Outaouais, où que le pin blanc était, semble-t-il, en abondance et qui s'en servait pour faire les mâts de bateau. Et c'est évident que la région de la Beauce n'y a pas échappé. Et le pourquoi de ça? Parce que c'était juste des terres forestières qui étaient en place, mais surtout il y avait une rivière pour être capable de faire par la drave jusqu'au fleuve pour transporter le bois jusqu'au port de Québec. Okay. C'est beau. En 1646, c'est ça. Les mâts de bateau. Excusez-moi, je ne suis pas oublié rien. En 1744, on retrouve à Saint-Joseph
45 colons. Donc, on parle tantôt que la première session s'est faite en 1737. On est en 44 et déjà, il y a 45 colons en place à Saint-Joseph. En 1747, le seigneur Nicolas Gabriel Aubin de Lille décède le 8 février 1847 après seulement 10 ans comme seigneur. Mais Gabriel n'a pas fait grand-chose dans sa colonisation. Il a fait surtout de la traite des fourrures, de la contrebande d'alcool avec les Amérindiens. Après son décès, ce sont ses 6 enfants qui deviennent les héritiers de sa seigneurie au Bain de l'Île, qui est Saint-Georges-S aujourd'hui. À ce moment-là, comment vivent nos premiers colons beaucerons? Il faut absolument réussir à faire 1 à 2 arpents de labour à la pioche par année. Et un arpent, peut-être pour ceux qui le savent moins, c'est 58,47 mètres ou 192,8 pieds. On sait qu'il faut de 5 à 10 ans de dur labeur pour obtenir 10 arpents de terre arable, ce qui est le minimum pour survenir aux besoins d'une famille de 6 à 7 personnes pour y vivre. La culture, ben, c'est le blé, qui est la culture dominante. Après, c'est l'avoine, c'est l'orge, qui sont les céréales les plus cultivées. Les légumineuses, tu as la soupe aux pois et les bines. Tu as les légumes plus faciles à cultiver qui sont le chou, le navet, les carottes, les herbages salés et séchés. Et tout près de la maison, bon, on empile de 15 à 20 cordes de bois de chauffage sec près de la maison parce qu'on sait que les maisons n'étaient pratiquement pas isolées. À l'automne, ben, l'habitant choisissait l'animal qu'il abattra pour sa consommation de viande pour lui et sa famille. Et puis, s'il y a un surplus, bien sûr, on va le vendre. On sait que la chasse au gibier sauvage reste quand même une solution pour la viande. En 1558, on parle de la route Justinienne. Jusqu'à date, on a toujours parlé de la voie de communication que c'était la rivière Chaudière. Mais à un moment donné, les gens se promenaient à pied aussi, parce qu'il n'y avait pas encore de voiture nécessairement. Et là, on parle quand même d'une colonne vertébrale pour la Beauce très importante, la première route, qui s'appelait la route Justinienne. Cette route qui relie la Beauce à la pointe de Lévis, okay, à Lauzon, okay, pointe de Lévis ici. Okay. Cette route, dont le tracé fut fait par le père Justinien Constantin en 1758, à Saint-Joseph. Donc, c'était lui qui était, probablement, on dit le père, qui était le curé à Saint-Joseph à ce moment-là. Et il a vu le besoin d'établir une route qui s'appelle la route Justinienne. Et j'attire votre attention, on voit que si on part de la pointe de Lévis, OK, on est en 1713, on passe par Saint-Henri en 1758, pour ensuite en 1771 se rendre en Sainte-Marie, à Saint-Joseph et à Beauceville. Et par la suite, ça va beaucoup plus tard, en 1781, avant qu'on soit rendu à Saint-Georges. Donc, on dit, comment se fait ça que ça s'est développé comme ça? Bien, le développement se faisait, mais la route aussi continuait en même temps. Donc, on ne passait pas par-dessus les étapes. Mais pendant plus de 50 ans, les beaucerons avaient chacun une partie de la route à entretenir hiver comme été. Et pendant ce temps-là, qui entretenait la route, bien, ils n'étaient pas capables de faire le travaux agricole qui n'était pas faite sur le terre, c'est qui provoquait de grands mécontentements et aussi des sous. Parce que si ça prenait de la terre, ça prenait de la gravelle, mais c'était surtout, il y avait un besoin financier de soutenir, mais ça prenait beaucoup de temps. Et sûrement qu'il y avait un peu d'orgueil à savoir mon bout de route est plus beau que le tien. Une partie de cette route passait à travers la forêt de Saint-Henri, où se trouvent des savanes, on dit toujours là, en 1758 ici, à partir de Saint-Henri, aller jusqu'à Scott. Et le pourquoi de ça, c'est qu'ici, on a la rivière et le chemin, donc on peut s'en servir. Mais entre Saint-Henri et Scott, c'est une terre de savane, de terre humide, sur une distance de plus de 30 000. Ce pénible voyage pouvait être aussi une partie de plaisir avec la présence du violonneux, un petit peu de rhum rouge qui faisait son effet aussi. Même si cette route est plus ou moins carrossable,
la partie de terre humide de Saint-Henri était problématique parce que les chevaux ou les bœufs, okay, et les charrettes s'enfonçaient assez facilement dans les sentiers vaseux. Souvent, les bêtes, les hommes, avaient les pattes et les jambes pleines de boue. Puis, arrivé à Pointe-Lévis, okay, arrivé à Pointe-Lévis ici, la vase séchait puis elle devenait noire, d'où l'appellation des Beaucerons les Jorrets noirs. En 1758, pendant que nos premiers Beaucerons s'affairaient à défricher dans le pain de terre, à construire une route carrossable pour rejoindre les marchands de Pointe-Lévis et à Québec, une guerre sans mesure se déroule ici, okay, parce qu'on l'a dit tantôt qu'il s'était déclaré la guerre, au lac Champlain, à la forteresse de Louisbourg, à la Nouvelle-Écosse, en Europe, entre l'Angleterre et la France. Donc, il y a de la guerre un peu partout, toujours. Pourquoi? Conquérir un territoire. Qui aurait la prédominance sur l'autre? En 1758, en juin, une flotte britannique sous le commandement du major Jeffrey Amber et de James Wolfe, composée de 49 navires de guerre, 1944 canons, 13 500 membres d'équipage, dont 800, de 8 500 soldats, quitte l'Angleterre pour débarquer à la forteresse de Louisbourg en Nouvelle-Écosse. Donc, je vous présente la forteresse de Louisbourg telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai eu aussi l'occasion d'aller la visiter et de m'imprégner de l'histoire qui s'est passée là, qui est tout à fait fascinante. En 1759, on est en 58, là, donc les Anglais, Wolfe, arrivent à forteresse de Louisbourg. Ils en prennent possession. Il y a une bataille qui dure là-bas, ils en prennent possession. Et en 59, c'est le début de la guerre de la conquête. James Wolfe se donne comme objectif, de capturer la cité de Québec. Donc, le 23 juin, okay, Wolfe arrive à ce moment-là. On est capable de dire que le 23 juin, il est arrivé à l'île aux Coudes. Le 25 de juin, il arrive à l'île d'Orléans. Et là, ici, on va prendre quelques minutes pour se positionner parce que c'est une partie importante. Donc, le 23 juin, Wolfe est à l'île aux Coudes. Pardon, le 25 de juin. Le 12 juillet, il s'installe à la pointe de Lévis, ici, où il loge, lui et son armée, dans l'église Saint-Joseph de la pointe de Lévis, qui est toujours là aujourd'hui. Wolfe est un grand stratège. Okay? Il attend, il observe. Il attend quoi? Donc, il est en position à la pointe de Lévis, ici. Il observe les marées. On est en juillet. Okay? On sait que les plaines d'Abraham, ça a eu lieu au mois de septembre. Donc, on est le 12 juillet. Donc, Wolfe observe les marées. Ici, okay. Il observe les lunes, parce qu'on sait que les lunes ont une grande influence sur les marées. Les brouillards aussi sur le fleuve Saint-Laurent. Et il observait aussi les allées et venues des colons et de l'armée française, que eux étaient situés ici et sur la côte de Beaupré. Parce qu'on sait que Montcalm avait son siège social, lui, pas à Québec, mais plus sur la côte de Beaupré. Les Français sont aux aguets parce que là, ils ont vu passer les bateaux sur le fleuve, okay, sur tout le fleuve ici. Puis ils savent qu'ils sont en attente ici. Donc, ils sont, qu'on peut dire, sur le gros nerf, c'est à Québec, eux autres, là, ils attendent. Mais à quand l'attaque? C'est un peu une guerre de nerfs qui se produit. Okay? Donc, les colons français qui sont à Québec et sur la côte de Beaupré, okay, j'essaie juste de retrouver mon pictogramme, c'est sur la côte de Beaupré, ils sont tellement enclins à la guerre qu'ils oublient à ce moment-là qu'il y a des récoltes à faire. Et là, on est rendu en août, septembre, et les récoltes ne sont pas faites. Et à ce moment-là, la famine commence à s'installer aussi dans la région de Québec. Le 13 septembre, on est en 1759, pendant la nuit, semble-t-il que la marée sur le fleuve Saint-Laurent, la marée, elle est haute. Donc, c'est facilitant pour embarquer et débarquer. Il n'y a pas de lune. Donc, c'est, on va dire, comme le gars, il fait noir comme derrière d'un ours.
Et il y a une présence de brouillard aussi sur le fleuve Saint-Laurent, ce qui fait que je ne suis pas vu ni aperçu. Donc, c'est le temps de procéder à l'attaque. Donc, tout se passe. Donc, Wolfe quitte la pointe de Lévis. Oh, excusez-moi, quitte la pointe de Lévis pour traverser le fleuve, pour s'en aller à L'Anse-aux-Foulon ici, la côte Gilmore, pour monter sur les plaines d'Abraham, où le matin du 13 septembre 1752, c'est la bataille des plaines d'Abraham. Mais cette bataille-là n'a duré que quelques minutes. Ça n'a pas été long. Pourquoi? Parce que les Anglais avaient une prédominance, étaient un petit peu plus dominants. Pourquoi? Parce que eux arrivaient avec un fusil à double canon. Donc, ils pouvaient tirer comme deux balles dans le temps que les Français n'en tiraient une. Fait que tout de suite, là, il y avait une vitesse, le temps de charger le canon et tout ça aussi. Et les Anglais avaient fait un plan de quelle façon qu'ils étaient pour se placer sur les plaines. Pas nécessairement arrangé, mais d'une façon différente. Chose que les Français, qui étaient toujours aux aguets et sur le nerf, et on sait que Montgomery était toujours sur la côte de Beaupré. Donc, tant qu'ils partent de la côte de Beaupré, s'en aller ramasser ses hommes, s'en aller sur ses plaines, et quand ils sont arrivés sur ses plaines, ils étaient déjà essoufflés et pas plus préparés que ça avec leurs fusils à un canon. Ce qui fait que ces pauvres Français, ben, et on sait le résultat aujourd'hui, ils n'ont pas été capables de faire front à une armée anglaise bien préparée. On sait aussi que Wolfe a été tué lors de cette guerre-là sur le champ de bataille des plaines d'Abraham et que Montcalm, lui, est mort en après-midi suite de ses blessures. Le 18 septembre 1759, ben, ça a été la signature de la capitulation de Québec. Puis à ce moment, ben, la Nouvelle-France devient une colonie anglaise avec ses lois et ses dirigeants. Puis les Anglais-Américains, ben, on sait que déjà, eux, les colonies anglaises poussaient et la population augmentait beaucoup. Et on sait que les Anglais-Américains détestaient énormément les Anglais d'Angleterre. Et là, on devient une colonie anglaise-Angleterre. Donc, encore un facteur de plus pour faire qu'on était pris, on peut dire, entre l'arbre et l'écorce. En 1760, au Canada, on est 65 000 habitants, alors que les colonies américaines des États-Unis sont rendues à 1 485 000. C'est important de voir l'ampleur et la grosseur. Et donc, eux étaient comme beaucoup de monde avec un petit territoire à protéger, alors que nous, on était peu de personnes avec un grand territoire à protéger. Donc, on n'avait pas du tout à armes égales. En 1762, nous pouvons retrouver à ce moment-là, il y a de deux à trois familles qui habitent dans la région Touffe de Paix, qui est aujourd'hui à Notre-Dame-des-Pins. Et on peut dire aussi que ça se suit avec l'arrivée de la route Justinienne. La grande majorité des habitants de la Beauce, nos ancêtres pour la plupart, arrivent de la côte de Beaupré après le passage de Wolfe et la guerre de la Conquête. Parce que plusieurs d'entre eux, leurs fermes avaient été brûlées sur le littoral du Saint-Laurent et sur la côte de Beaupré. Les fermes avaient été brûlées par les Anglais. En 1763, il y a eu un recensement en Beauce qui démontre à ce moment-là qu'on a 733 âmes en Beauce. Je vous laisse quelques minutes juste pour voir les premiers habitants de la Beauce, Zoé Bolduc, Jean Bolduc, François Quirion, Pierre Poulin, Jean-René Bolduc, Ignace Quirion, Louis Paré, Joseph Poulin, Augustin Veilleux, Jean Bourque, Jean Rodrigue, Guillaume Létourneau, Joseph Roy, Joseph Veilleux, Charles Doyon, Joseph Franco, François Fortin, Joseph Fortin, Jean Gagnon, Augustin Lessard, Joseph Vizier, Charles Gagnon et Jean-Baptiste Gastien. On dit, bien, comment se fait ça que moi, mon nom de famille n'est pas là? Ben, il était probablement pas encore arrivé. Ça ne tardera pas, par exemple. Et il y a la colonie américaine aux États-Unis. Okay? Les Américains sont de plus en plus en colère contre, comme je disais tantôt, contre l'Angleterre et contre les taxes qui les étouffent. Ultérieurement, on disait que nos colons français de la Nouvelle-France ici étaient en colère contre Louis XIV qui les avait imposé des taxes, mais la même chose est arrivée aux colons anglais des États-Unis
que l'Angleterre les a imposé des taxes les autres aussi. Et ça a été une révolte au niveau des colons anglais-américains qui ne voulaient pas se voir imposer une taxe pour redonner à l'Angleterre. Donc, de là est devenue une grosse, pas de méfiance, mais une colère qui est venue en ébullition. Et on sait que le Canada, qui est devenu une colonie anglaise après la guerre de la conquête, il est primordial de partager les frontières parce qu'il n'y avait aucune frontière encore entre les États-Unis puis le Canada. Et nous autres, on est là, la Beauce, on est là. Il n'y a pas de frontière, donc c'est important qu'on établisse une frontière canado-américaine, même s'il n'y en a pas encore définitivement, surtout entre le Maine et le Vermont. Que deviendra la Beauce avec toutes ses pressions territoriales, ses frontières, ses politiques anglaises et américaines? Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là parce qu'ils sont pris entre un et l'autre. On était des Français catholiques, on est maintenant sur domination anglaise, protestante. On sait que du côté des Américains, la colonie, l'armée américaine-anglaise sont présentes, ils sont en colère contre les Anglais. Donc, vous voyez tout le pattern, tout ce qui est notre casse-tête qui se présente devant nous. Donc, la Beauce fera quoi avec toutes ces pressions? Et à ce moment-là, je fais juste regarder, parce qu'on est en fin de conférence. Je tire là, on disait tantôt qu'au Bagallion, ça, pas au Bagallion, mais au Bain de l'Île, ça faisait quand même 10 ans qu'il était décédé. Donc son fief est divisé en trois. Okay? Donc on a le fief Sainte-Barbe de la Famine, de Cumberland et Saint-Charles de la Belle-Alliance. Faites juste retenir ça pour la prochaine conférence. On en est là. D'accord? On va sauter, j'arrive à celle-là ici. Donc, la vallée de la Beauce ou la vallée de la Chaudière, parce qu'ici, ce que vous voyez, c'est vraiment un paysage de la punaise, si je peux dire ici. Donc, on peut voir la route d'aujourd'hui ici et la côte qu'on appelle la côte de Saint-Simon qui est ici. Donc, Notre-Dame est ici et Saint-Simon va être ici. Donc, en 1665, la vallée de la Beauce est belle. Mais elle cache encore plein de trésors à découvrir. Et ces trésors-là à découvrir, j'aimerais ça les partager avec vous lors de la prochaine conférence qui aura lieu le 13 de juin prochain. Il me reste quelques minutes. Je ne sais pas s'il y en avait, qu'il y avait peut-être une ou deux questions qui étaient à ce moment-là possibles de répondre. OK, j'ai une question de Madame Lise Breton sur YouTube. OK, bon, OK, elle m'a dit que c'est intéressant, merci. J'ai Monsieur Claude Trépanier sur Facebook. En 1758, vous avez dit. En 1758, je ne comprends pas. Sur Facebook Live, 1758, vous avez dit 1500. OK. Je m'étais trompé de date, de ce que je m'excuse, monsieur. Donc, c'était pas 1558, ça devait être sûrement être 1758. D'accord. Fait que moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre qui va avoir lieu c'est-à-dire le 13 de juin, où ce que cette rencontre-là, on sera sur l'histoire de l'art. Donc, on sait qu'il y a plusieurs trésors à découvrir. On se laisse en 1765. À la prochaine rencontre, à ce moment-là, on prendra suite pour que ça se d'une conférence à l'autre, ça se tisse. OK, d'accord? Et mon docteur, on t'a posé des questions. OK. Les gens me disent sur Facebook et autres, on a peu de temps pour poser des questions. Je suis très, très, très volubile, vous voyez que je parle beaucoup. C'est oui, il n'y a peut-être pas beaucoup de temps, mais j'avais du stock pour faire mon heure et puis je pense qu'on l'a complété. Ça fait que je vous laisse ainsi avec le plus grand des plaisirs de vous avoir rencontré, pas en personne, mais en virtuel, espérant peut-être que le 13 de juin, on pourra être en présentiel. Si on n'est pas en présentiel, on sera en virtuel comme aujourd'hui. Espérant que cette conférence-là vous a appris quelque chose, sachant très bien que l'histoire de la Beauce,
On dit on n'a pas parlé beaucoup de la bourse. Oui, on a mis la table pour en parler davantage, peut-être tantôt, parce qu'on va rentrer dans le pointu de Cumberland et de Saint-Simon ultérieurement. Fait que je vous laisse une bonne fin d'après-midi et au plaisir de se revoir pour la prochaine conférence. À bientôt.